Les amis, j'espère que vous allez bien, ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, on va voir l'évolution de mon compte Dokkan après les millions d'ailes il y a un mois, les amis. Lorsque la célébration venait de commencer, je vous ai fait une vidéo sur mon compte Dokkan avant les millions d'ailes. Donc je vous invite à aller la voir pour voir un peu comment mon compte il était il y a un mois. Et là, les amis, on est un mois après, on est à la fin des millions de téléchargements, enfin de la célébration en gros. Je crois qu'il y a Janemba et Gogeta qui obtiendront leur ZLR. À part ça, il n'y a rien de spécial. Donc en vrai de vrai, on peut... Bah, en vrai de vrai, il n'y a rien qui va changer. Hein. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a strictement rien qui va changer. Quoique j'aurai peut-être 70 de plus, c'est tout. Sinon, il n'y a pas de grand chose qui va changer. Donc en soi, fin de célébration pour moi. Plus d'invocations, vraiment les amis. Plus d'invocations, plus une seule single. J'ai quasiment eu quasiment tout ce que je voulais. J'ai plus de raison d'invoquer, on garde pour les portails à venir, les célébrations à venir et tout. Donc franchement, sur ce coup-là, on est carré. Voilà. Donc je vous montre l'évolution de mon compte, le rang, pas vous le voyez à l'écran, la puissance max du compte. Je sais plus l'état combien lors de ma précédente vidéo où je vous montre mon compte. Je vous montrerai aussi les liens, les personnages que j'ai montés, que j'ai drop, etc., etc. Vous allez voir mon compte en profondeur. Et voilà, vous verrez tout. Donc, les amis, j'ai hâte parce que même moi je vais découvrir le profil avec vous. Je me suis gardé la surprise pendant un mois, j'ai pas cliqué dessus. Et donc, là, les amis, on va voir ce que ça donne. Juste avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si c'est quoi déjà fait. Bienvenue à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Oh là 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 là, on peut partir. Regardez le profil. 3. Les amis, ça faisait un mois que j'étais en train de monter les liens, monter les personnages. Est-ce que j'ai atteint plus de 300 liens montés? Non. 300 liens 10, c'est... Non, 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 c'est énorme. Je crois que j'avais 60... Oui, j'ai regardé la vidéo, enfin... J'ai regardé vite fait le profil de il y a un mois. J'avais 68 liens montés. 68. Et là, les amis, un mois après, j'en ai combien? Eh, j'ai le jeu. Un mois, je suis en 600. 602. C'est dingue, désolé les gars, je suis un peu malade, enrhumé et tout, donc je sais pas si ça va s'entendre au micro. Les amis, ah ça bug en plus, ça se télécharge, ah, ça se télécharge, parce qu'il y a eu tellement de... Je regarde pas les gars. 3, ah, 1, je regarde mon écran. 2, 1, 297 liens montés, 297 liens 10. La puissance de mon compte, elle a créé un x2 quasiment. Et en plus de ça, waouh, éveil de canne 202. Oh. Masterclass. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Case de compte ancien libéré, 32 960. Je sais pas ce que ça représente. Ça doit être les liens. Enfin, non, les liens. Les pourcentages de personnages. Lien 10, non. Un doublon, tout ça, tout ça. Ça doit être ça. 290. Waouh, la dingue, c'est incroyable. 297 liens 10, les amis. Je sais pas si vous vous rendez compte, ça représente un personnage. Bah non. Je sais pas si ça représente combien de personnages liens 10. Je sais pas du tout, ça représente combien de personnages liens 10. Mais en tout cas, on en a pas mal. Oui, on en a pas mal. Donc j'ai monté plus de 200 personnages. Très riche, j'ai toujours gardé ce titre les amis. Et donc il m'a porté chance. Je vois pas de raison pour laquelle je le changerais. Vu que là il me porte chance de fou. Donc je vais le garder les amis. Il me plaît bien. Donc musique définie. Donc je crois que j'en ai toujours pas des musiques. J'aimerais bien en avoir des musiques. Ce serait vraiment cool d'en avoir. Parce que vraiment ça a l'air pas mal du tout. Niveau 12. Son Goku Super Saiyan. Donc c'est quoi ça en fait? J'ai rien compris à ce truc. Il n'y a pas au-dessus de Super Saiyan. Parce que je suis perdu les gars. Ok bon. On va partir sur la box des personnages. On commence par quoi les gars? SSR, Dokkan? En vrai on va commencer par une vision globale je pense les amis. Hein. Excusez-moi. Je pense qu'on va partir. SSR, vas-y go. SSR. Donc vous voyez les amis, je suis en train de monter le Dokkan Fest, excellentissime, tu connais, il est incroyable, hein, vraiment il est trop fort. Le duo blue, un doublon que j'ai eu, donc en vrai de vrai, je le mettrai plus tard le doublon, pour l'instant flemme.
Trunks, ah j'ai cru que c'était le LR, my bad, il m'a fait une paix. Donc Trunks, j'ai déjà 100% les gars, ouais, je l'ai déjà 100%, Goku Gencive, il est déjà, non, je suis en train de le monter. Golden aussi, il est déjà 100%. Après, il y a des personnages par-ci, par-là, tu connais. Zamasu Ind, Madak, Aji, ZTUR, voilà, je vais le monter plus tard. Pareil pour le Vegeta. D'ailleurs, ça, c'est des personnages que j'ai eu grâce au ticket d'Okan Fest, les amis. Je tiens à dire que le compte, au début, c'était un compte bot avec 8000 DS, un peu près, un truc comme ça. Et du coup, une fois que j'ai eu ce compte entre les mains, bah, j'ai farmé manuellement jusqu'à ce résultat-là. Donc, au cas où il y a des gens qui se posent la question, bah, j'ai farmé manuellement jusqu'à aujourd'hui. Donc, et je continuerai à farmer manuellement bah, jusqu'à les serves d'Okan fermeront. Donc oui, on va vraiment pioncer le jeu comme il faut. Donc il y a pas mal d'unités que je dois monter en Token Fest, LR, etc. Pour avoir du coup encore une plus grosse box assez conséquente. Black Super CTR, excellent. Waouh, il y a pas mal de cartes les amis que je dois monter. Hein. Waouh, j'ai du boulot les amis. Hein. Lui aussi, je l'ai pas monté. Ah ouais, j'étais en train de faire ces médailles, après j'ai arrêté, j'ai lâché. Team Universe 6. Bientôt la Team Universe 6, mes amis. Ok. Ouais. Trio GT, Vegeta. 100%. Ok. Ouais, c'est pas mal, les amis. Hein. C'est pas mal. Bon, on part sur les UR. On part sur un autre niveau. On est sur, du coup, full. Full Dokkenfest, TUR, Saijuni, tout ça, tu connais. Piccolo avec Boo, le Gohan que j'ai monté pour faire le ZDLR du Bio Broly, etc. Tu connais. Donc, ici, les amis, on a vraiment bien drop. Hein, en vrai, on va pas se mentir. On a bien drop dans divers portails, etc. Vraiment, c'est mis très très bien. Je rappelle, il y a les portails Dokkenfest aussi qui nous ont mis assez bien. Il y a les portails, etc., qui sont sortis. Donc vraiment, niveau TUR, on est vraiment pas mal. Sachant que la plupart des personnages, je les ai bien doublonnés. Donc vous voyez, au niveau du compte, ça commence à être beau quand tu vois tout ça 100%. Trunks, Piccolo... Ouah, et je l'ai 90%, mais même moi, je suis pas au courant. Ok. Bon, les TUR Int, Goteng, Jiren, les Gamma, le Goku Super Saiyan 3, Black Rosé... Il y a beaucoup de 1 doublon, il y a beaucoup de 55%, il y a beaucoup de 0 doublon parce que je serai un rat pour payer la semaine, les gars. Bon, même la 5 unités hein, qui est tombée il n'y a pas très longtemps sur les tickets, mille merci d'ailleurs, merci à Dokkan de nous donner des tickets gratos comme ça fait plaisir. La Videl, franchement, elle fait le taf, incroyable, on aime bien. Les unités que j'ai 90%, là, il y a moyen que vous veniez 100% ou que les petits. Oh, bon, bah, dis donc. Il va pouvoir passer 100%, c'est magnifique. Est-ce que Trunks, son confrère, pourra passer 100%? Non. Il faut d'un 30. Les amis, on passe au LR. Les LR. Ouh, 67 LR, c'est énorme. Franchement, c'est énorme. Il m'en manque tellement des LR. Mais 67 LR, les amis, c'est énormissime. Donc, on a quasiment tout. On a tous les LR de la célébration. La mondiale, on a tous les LR de l'anniversaire, on a tous les LR, tout, on est trop bien. Gohan, Bio Broly, s'il vous plaît, Broly LR Hints, Broly Tech, Rivian Lagout, Goku Thales, Gohan Ultimate, Katai Beast, Vegeta Evolution, Boutek. Oh là là, j'aime trop mon compte. On a eu des personnages qui obtiendront leurs ZDLR en 10 ans et qui seront masterclass. Non, mec, ça promet. Ça promet, mon ref. Et vous, t'es que ceci, le GOAT. Thales, oh, tellement de. Tellement, il y a trop d'LR. Je suis parti sur. Changer de menu. Donc, au niveau des doublons. Là, je vous montre. Goku, Thales, 100%. Broly, Chile, 100%. Goten, Gohan, 100%. Goku, GT, 100%. Trunks, 90%. Couleur, 90%. Il y a énormément de 90, les amis. Dio GT, Vegeto Blue. Non, Vegeto Puissance ZDLR, Rivian, deux doublons, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est extraordinaire. Extra. Franchement, j'aime bien.
Le Goku, oh là là, le trio CJ de doublon, les gamins de doublon, Broly Energy de doublon, Gohan un doublon, Broly Tech aussi, Gohan Beast. Les amis, c'est incroyable le compte que j'ai en vrai de vrai. Hein. Je me rends pas compte de la chance que j'ai. Janema, j'ai un doublon, mais j'attends de voir, je le monte en quoi, attaque sup ou crit, quand j'aurai Conoral CDLR in-game, je verrai en fonction de ce qu'il fait, je le montrerai en, du coup, je le montrerai en arbre. Alors, au niveau de la full box, on est sur du 180 personnages montés, donc c'est vraiment pas mal. Moi j'en avais moins de 100 sur il y a un mois. On en a eu tellement, on en a monté tellement entre temps. Je pense qu'on va quand même un peu réduire le rythme. Parce qu'en fait on était dans une célébration où vraiment tu droppais des unités très fortes que tu devais monter pour les jouer avec les uns les autres. Donc forcément j'en ai monté beaucoup. Mais là vu que la fin de la célébration elle approche, bah, c'est la fin. Il n'y aura pas spécialement des priorités à monter, des trucs à faire. Donc honnêtement on va quand même ralentir au niveau du rythme. Et on va reprendre quand il y aura une célébration, quand il y aura la hype et tout. Ça, c'est normal. Là, on était dans une célébration de hype et tout. Donc forcément, j'ai pioncé. Mais là, on va vraiment descendre tranquillement. Je pense s'il y a des éveils ZDR, ZTR, je vous montrerai les liens par-ci, par-là. Mais rien de plus, plus transcendant. Voilà. Du coup, le compte vu de URLR 100%, enfin les liens, les taux, ce que tu veux, mon ref, voilà, ça donne ça. Franchement, ce compte-là, les amis, il est masterclass, j'aime trop. J'aime vraiment bien, les amis. J'ai encore plein de personnages à monter, et donc ça va vraiment être, au fur et à mesure, un compte vraiment trop bien. Je peux faire quasiment les meilleurs teams du jeu. Au niveau des teams, toutes les vidéos que je vous sors, c'est avec ce compte, donc en vrai de vrai, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et encore, il y a des choses à faire et tout, il y a des teams à tester. Donc vraiment, j'ai hâte, ça risque vraiment d'être incroyable. Et moi, j'aime trop mon compte, il est trop bien. Les amis, on se voit la prochaine, du coup, envoyez-moi vos box sur mon serveur Discord, le lien sera dans la description. Je vous dis à la prochaine, c'était Fino, ciao tout le monde.